58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nouvelle émission de 58 minutes. Ce soir, un invité un peu exceptionnel, hein, même beaucoup exceptionnel, parce que pour l'avoir, notre ami Philippe Sestaré, c'est assez compliqué. J'ai un petit retour, un petit Larsen, je ne sais pas d'où ça vient, mais on va le savoir dans quelques secondes. Voilà. Et nous allons parler de moto, d'auto. Philippe Sestaré, vous êtes dans ce milieu-là depuis de nombreuses années. Ah, mais oui, 1970, retour de l'armée, puisque je suis parti très jeune. Et c'est en même temps, on est dans un quartier, Ravesy Grand Parc, et Allée de Bouteau. À Bordeaux. À Bordeaux. Ah, parce qu'on est écouté à Lille. Ah, ok. Et à Marseille aussi. Ou à New York, mais en fait. D'accord. Et bonjour aux New Yorkais, alors. Et donc, tout ça pour dire qu'il se trouve que dans le quartier, il y avait un type qui était un pilote automobile qui s'appelle Alain Coudert. Et Alain venait d'être champion de France de Formule Bleue, en ayant gagné 17 courses sur 20, précise, parce que c'est quand même un exploit. Et moi, je rentrais de l'armée, je voulais faire du journalisme. J'étais stagiaire à La France, La Nouvelle République, qui était le concurrent de Sud-Ouest à l'époque. Il est bien connu. Et en tant que stagiaire, tous les jours, j'étais... Alors, malheureusement pour moi, je faisais pas le sport, je faisais ce qu'on appelle les chiens écrasés. Et il se trouve que tous les jours, j'allais à la rubrique sportive pour proposer mes services en disant s'il manque quelqu'un pour parler de foot, de bagnole et autres, je suis là. Mais bon, il y avait des titulaires. Et puis un jour, il y a eu, au mois de décembre 1970, la possibilité, puisqu'Alain a été champion de France, de faire un papier. Alors on m'a dit, tu prends... un photographe avec toi, et tu vas aller faire un reportage sur le garçon de ton quartier. Et voilà comment ça a commencé. D'accord. Bon, originaire de Bordeaux, vous êtes né à Bordeaux ? Ah non, Libourne. Libourne ? Libourne, oui. Ah, ça c'est top. c'est top. Alors pourquoi avoir immigré à... Oh, bien après, c'est une histoire de famille. Mes parents étaient commerçants, cafetiers, place Ravesy à Bordeaux. Et pendant 35 ans, ils ont tenu un bar qui fonctionnait bien. Oui. Une affaire familiale avec une petite équipe derrière. Et je veux dire, bon, moi, j'étais dans cette ambiance de baby-foot, de flipper, de jukebox et de bagnole. D'accord. Voilà. Alors, je crois bien que votre activité aussi principale, après, a été la mairie de Bordeaux. Oui, j'ai eu la chance de rentrer à la mairie de Bordeaux. Et puis, j'ai fait un job qui me plaisait. Donc, j'ai fait une formation qui était plutôt dans le bureau. Et puis après, j'ai passé les concours. Et comme je voulais travailler dans la rue, avoir de la liberté, j'ai eu la chance d'être receveur placier. Donc ça veut dire qu'on s'occupe de terrasses de café, qu'on s'occupe des marchés municipaux. C'était l'époque Chaban encore Oui, c'était l'époque Chaban, puisque je rentre à la mairie, c'est le 16 décembre 1971, et j'en suis parti 46 ans après. D'accord. Voilà. Et avec la chance d'avoir un service permanent, puisque hormis le 1er mai, on travaillait 364 jours, donc qui permettait d'avoir des récupérations, etc. Donc je remplaçais mes collègues souvent le week-end quand j'étais disponible et non pas sur les circuits, ce qui me permettait d'avoir des récupérations importantes et d'avoir une deuxième activité. Donc à partir de 1973, le choc pétrolier. Juste, j'avais une idée pour aider Alain à progresser dans le sport automobile, de monter le salon de la voiture et la moto de course, parce que j'avais été à Paris, j'avais vu comment ça se passait et tout. Je me disais, bon, on est à Bordeaux, on n'est pas plus bête que nos amis parisiens, on va faire la même chose. Et donc, c'est comme ça qu'est né le salon auto-moto à Bordeaux-Lac. Et 74 plein de petits problèmes de l'époque et pas assez d'expérience, on ne l'a pas fait. Par contre, on avait déjà commencé à travailler, ça s'appelait Hexagon. Et puis... Ça, c'est la structure. Voilà, la structure associative
de l'époque. Et à partir de ça, 1975, du 6 au 15 décembre 1975, c'est le premier salon de la voiture de course, où pendant 10 jours, on a reçu 15 000 personnes. Mais bon, 10 jours, c'était long. Et puis, bon, après, avec l'expérience, les échanges avec les professionnels du parc exposition de Bordeaux, on s'est limité à 5 jours. Et, alors, ah oui, quand on faisait de 10 à moitié. Oui, quoi. Moitié, voilà. Une remise de 50%. Et à partir de ça, on est devenu pour plus commercial, on est devenu un peu plus connu, on a eu de la notoriété. Et puis surtout, on avait une emprise sur la région Aquitaine qui était très importante, puisqu'on avait la chance déjà d'avoir Pau qui était pas loin. Il y avait des rallyes organisés par l'Association sportive de l'Automobile du Sud-Ouest. Il y avait aussi des courses de côte. C'est une époque où tout est open. Je veux dire qui. Alors, Philippe Cessaré, on parle du salon automoto. Quel est votre sport préféré dans le sport mécanique? Est-ce qu'il y a une préférence d'abord? Disons, moi, je suis un amateur de stade. Donc, c'est-à-dire, stade, ça veut dire visibilité. Donc, j'ai tendance à dire, bon, c'est le circuit. Parce que souvent, les circuits, on a quand même devant nous. Les itinéraires qui sont visibles, alors que les autres sports en automobile, c'est plus difficile. Le rallye, j'aime bien, mais il faut se déplacer sur chaque spécial. Bon, c'est plus compliqué quand même. J'aimais bien aussi la course de côte parce que c'est ce qui nous a éduqués. Et puis, il y a mon copain Patrick qui est en face de moi, qui à l'époque avait une R8 et puis était amateur aussi. Et, donc, R8 Gordini Non, pas, même pas Gordini. Elle lui ressemblait, mais c'était pas une Gordini encore. D'accord. Et donc, on allait voir les courses de côte et les rallyes. Et puis après, via Alain Coudert, on est devenus des amateurs de circuit jusqu'à aujourd'hui. J'adore les circuits. Donnez-moi quelques exemples. Ben, les exemples, bon, pour moi, je veux dire, j'adore Pau-Arnos, Pau-Ville aussi. J'aime le circuit de Nogaro, parce que bon, Alain a fait beaucoup de choses à Nogaro, et puis il était un petit peu le garçon préféré de la famille d'Iviès, parce que c'était un garçon performant. Et je vais souvent à Nogaro, j'aime Nogaro. Bon, après, je suis très sensible à Magny-Cours, au Mans, au circuit parisien, à Dijon aussi. Alain a gagné sur tous les circuits de France et puis à l'étranger, puisqu'on a eu la chance, ça aide à voyager, à découvrir d'autres mentalités, d'autres pays. Oui, alors, vous me parlez de circuits, mais vous avez toujours été sur les circuits pour regarder, jamais pour concourir. Si, non, ça vous est arrivé ? Non, parce que j'ai d'abord, je me connais quand, si vous voulez, quand vous montez avec des garçons comme Alain, comme Jacques Lafitte, comme Jean Ragnotti, des pilotes professionnels, vous voyez la marge qu'il y a entre nous et eux. Donc, je ne me suis jamais projeté là-dessus. Et puis, il y a aussi un autre problème, il est financier. C'est qu'au départ, il faut se payer une bagnole, il faut être performant rapidement, il faut avoir un mécano. Oui, mais vous êtes introduit dans le milieu, vous avez des copains qui auraient pu dire « te prête la voiture ». Non, autant, si vous voulez, on peut être pas trop mal pour les autres, mais pour soi, c'est plus difficile à vendre. Je veux dire, bon, je ne suis pas vendeur de... Vous êtes plutôt organisateur. Voilà, je suis plutôt un organisateur. Je me sens à l'aise dans ce que je fais. Et puis peut-être même si je faisais des organisations dans le foot ou dans d'autres sports, ça m'irait bien aussi. D'accord. Bon, on va faire une première pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, nouvelle émission, je vous l'ai dit tout à l'heure... de 58 minutes, on vient de faire une pause et je reçois Philippe Cestaré qu'on a eu du mal à faire venir ici jusqu'à Montcarré puisqu'il habite Bordeaux et originaire de Libourne. À Bordeaux, vous êtes connu comme le loup blanc quand même dans le milieu sport mécanique.
Alors, je ne sais pas si c'est le loup blanc, mais bon, disons que quand on passe une cinquantaine d'années dans le même milieu, qu'on aime l'auto, la moto, qu'on partage beaucoup de week-ends avec ces gens-là, beaucoup de déplacements, beaucoup de réunions, et puis qu'on a la chance de faire un salon qui a drainé jusqu'à 60 000 personnes, je veux dire, bon, on a un petit peu de notoriété, mais on n'est pas quand même le bon Dieu. Non, peut-être pas, mais enfin, vous êtes hyper connu, quoi. Non, allez. Un peu de notoriété, disons. Pas de fausse modestie. Oui, disons, je suis connu comme organisateur, comme pas mal de gens sur la région qui œuvrent dans les sports mécaniques, que ça soit sur les circuits, que ça soit sur les rallyes. Vous êtes très proche de l'Automobile Club du Sud-Ouest, par exemple. Très proche de l'Automobile Club du Sud-Ouest, puisque, si vous voulez, dans les années 2-3 ans après qu'on ait commencé le salon, on avait besoin d'un souffle économique et bon, une petite équipe, on n'arrivait pas à tout faire et notamment, par exemple, on avait besoin de locaux, etc. Et l'Automobile Club du Sud-Ouest nous a donné un certain élan en nous mettant à disposition de superbes locaux, 8 places des Quinconces à Bordeaux, donc un endroit chouette et puis bon, une belle structure, l'Automobile Club, il n'y a rien à dire et en même temps, on est dans l'automobile. Parfait. Voilà. Bon, alors, quel est votre meilleur souvenir de l'époque? C'est dur. Il y en a plein de souvenirs. Mais oui, je me doute. Disons, j'aurais tendance à dire que c'est dans les premiers. Le plus gros souvenir, c'est 1977, Barry Sheen, un Anglais et champion du monde en moto. Je veux dire que c'est un type qui est décoré par la reine d'Angleterre, c'est un type qui est considéré comme le cinquième Beatles, hein, je veux dire sur les photos, et on arrive à le rencontrer, à échanger avec lui et à lui dire eh bien, écoute, viens passer 48 heures avec nous à Bordeaux au salon automoto, et il a dit oui, il est venu avec sa compagne qui était à l'époque un superbe mannequin envié par toutes les télés et les radios, donc une jolie femme, et ça nous a aidé à avoir de la notoriété, de faire ce coup. Ensuite, on a fait aussi un super coup avec Antenne 2 grâce à Jean-Claude Chemarin, avec qui j'étais très copain aussi. Et si vous voulez, là-dessus, on a fait une émission qui s'appelait Mi Fugue, Mi Raison, oui, qui était retransmise en direct sur la 2 avec Donnez-moi un coup de main, Christophe. Alors, après, là, non, les noms, faut pas m'en le journaliste trop. À l'époque, ça va peut-être me revenir, mais bon, une heure et demie de direct pour parler de moto et tout, avec des Olivier Chevalier, des Jack Finlay, etc. Agostini, qui vient, mais qui ne peut pas atterrir à cause du brouillard à Bordeaux, et avec qui on fait un duplex à Biarritz. Enfin, je veux dire, bon, c'est des super souvenirs. Et puis, on se retrouve à un petit communauté avec les journalistes de Sud-Ouest, dans le centre de Bordeaux, et on passe 2 heures avec Barry Sheen, qui est en définitive presque devenu un copain. D'accord. Voilà. Bon, oui, malheureusement, il est monté au ciel aujourd'hui. Je pense que dans ce milieu-là, on se regroupe. Il y a des copains qui arrivent au fil du temps, petit à petit. Vous devez avoir un nombre incalculable de relations. Enfin, relations et copains. Oui, voilà. C'est pas les mêmes. Ça fait pas partie. Voilà, je veux dire, quand on fait ce boulot, c'est comme si je faisais du foot, parce que je suis passionné de sport de ballon. Je veux dire, bon, quand on aime, on compte pas. Donc, à partir de ça, je veux dire, bon, on rencontre des gens. Et puis, qualité ou défaut, moi, j'aime les gens. Oui. Voilà. Oui. Donc, et à partir de ça. Dans ce que vous faites, si vous n'aimez pas les gens, à mon avis, voilà, ça ne marche pas. Et donc, des fois, on fait même des conneries. Hein, je veux dire, il y en a qu'on mais aime ça trop. Arrive, et puis, mais bon, oui. On peut être un peu déçu à la sortie. Je connais. Voilà. Bon, alors, Hexagon 33, c'est toute une équipe, encore aujourd'hui. Oui. On a j'allais dire un spécimen, c'est exagéré quand même. Non, mais on a quelqu'un qui est venu avec vous, qui est un copain avec vous, à vous depuis de nombreuses années, Patrick Latouche. Patrick, bonjour, vous avez des responsabilités au sein de Hexagon 33 ? Non, pas du tout. Je suis un vieux copain de Philippe depuis les années, je n'ose pas le dire. Oui, 52, d'accord. Voilà, non, 52 peut-être pas, mais on avait 12 ou 15 ans à l'époque. Voilà.
Et puis on est parti ensemble en galère, à droite, à gauche, jusque justement à... Et vous êtes toujours là. Et je suis toujours là, nous sommes toujours là, toujours potes, on se retrouve dans les bons et les mauvais. Mais vous faites partie de Hexagon 33 ? Non, pas vraiment. Alors, je me permets d'intervenir. Ah oui, oui, allez-y, cher ami. Hexagon, donc, une belle équipe, des gens qui s'entendent bien. C'est 25 ans, c'est 1975-2000, salon de la voiture de course. Après, on va dans le bateau. Entre parenthèses, on a même fait en 91 un championnat de France de motonautisme à Libourne. Je m'en souviens. Un strac aux articles de Lussac. Je veux dire, bon, j'avais envie de faire un truc à Libourne parce que c'était ma ville. Et tout ça pour dire que Patrick, effectivement, a eu sa vie. Et depuis 2016... Patrick nous aide, c'est-à-dire, par exemple, maintenant, on s'occupe de travailler à l'Arkea Arena sur le trial indoor. Patrick s'occupe de tout ce qui est accueil, VIP. Enfin, je veux dire, il a l'expérience. On va le bichonner, alors. Voilà, c'est un type qui a une carrière professionnelle bien remplie, qui a bon œil, bon pied, et qui sait bien accueillir les gens. Donc, c'est important pour nous. Oui, je comprends. Alors justement, vous me tendez une perche incroyable. Vous organisez tous les ans cette manifestation à Arkea Arena, qui est un trial. Oui, un trial. On a fait de la pub, du reste, l'an dernier, pour cette manifestation. Un trial indoor, c'est-à-dire donc ça se passe dans un endroit fermé qui est protégé contre les intempéries et autres. Donc et là, on réunit. Si vous voulez, les meilleurs pilotes du monde. Et on fait un concours. Bon, la dernière fois, là, on a fait une épreuve de championnat du monde qui a eu un certain succès dans la mesure où on a fait, si ma mémoire est bonne, 5169 personnes qui sont venues voir cette manche avec des pilotes de renom et notamment Tony Bou qui est 32 fois champion du monde et qui est vraiment, à lui tout seul, un type très spectaculaire et qui fait une belle promotion pour le trial, que ça soit nature ou indoor. Alors là, cette année, il va avoir lieu quand ? Alors, cette année, justement, difficulté, c'est que, bon, coincé entre le championnat du monde de rugby et les Jeux Olympiques, et puis le foot aussi au mois de juin, puisqu'il y a l'Euro de football. Je veux dire, bon, tous les promoteurs dans le milieu musical et artistique avaient fait des réserves depuis longtemps. Nous, on n'est pas des débutants, mais on ne savait pas que c'était aussi pressé. Donc, on n'a pas de date. Par contre, notre prochain trial, il est fixé au 7 février 2025. Oui. Et il aura lieu à l'Arkea Arena. Et d'accord. En attendant, on aide un motoclub qui s'appelle la Cagouille Rageuse, qui est à Frontenac et qui organise la deuxième manche du championnat de France de trial naturel, où il y aura les meilleurs Français, alors, Binkas, etc. Quand vous dites on aide, c'est-à-dire on aide, disons qu'il s'occupe de la partie sport et technique, et on essaye de donner un coup de main au niveau de la communication, du commercial, de cet événement qui passera le 20 et 21. Vous les aidez dans vos relations. On les aide dans nos relations, dans notre expérience, et je veux dire, bon, c'est un bon partenariat. D'accord. Bon, ben dites donc, il y a toujours du pain sur la planche. Disons qu'il faut... La retraite, c'est pour quand ? Bon, la retraite, écoutez, pour le moment, on n'y pense pas. Je veux dire, bon, tant qu'il y a du souffle et de la passion, il faut continuer. Voilà. Bon, allez, on fait notre pause musicale et on se retrouve avec Philippe Sestaré dans quelques minutes. Alors, nous sommes... aujourd'hui, dans cette émission 58 minutes, avec Philippe Sestaré et Patrick Latouche, puisqu'on a eu quelques mots de sa part, qui est un... comment on peut appeler ça ? Un compagnon... Un vieil ami, un compagnon de route. Mignon, vieil ami. Oui, c'est mignon. On ne va pas oublier la canne. Hein. Bon, alors, donc... vous êtes venu... Alors, Philippe, on va dire aussi la vérité, c'est que vous êtes venu assister au rallye Bordeaux-Atlantique. Faut pas que je me trompe dans le titre. Rallye Bordeaux-Aquitaine classique.
Exactement, oui. Je ne suis pas trompé, là. Non, non, ce rallye voilà. De Castillon, hein, puisque... Ah, de Castillon, on peut dire. C'est aussi, oui, on peut parler de Castillon dans la mesure oui, où parce c'est que tout se le fait centre à Castillon. Névralgique du Sud-Ouest. Alors là, ce sont vos amis, de la compétition. Ce sont vos amis de l'Automobile Club du Sud-Ouest qui organisent. Exactement. Dont Géry Gauguin, on aura à la fin de cette émission une interview. Nous sommes allés à ce rallye au départ... Et nous avons obtenu quelques mots de Géry Gauguin, qui était un petit peu débordé, c'est normal, m'a-t-il dit, 120 engagés. Oui, enfin, 120 même ou 130 plus. Engagés. Il y a eu 145, mais 120 de retenus qui ouais. ont pu partir. Et donc là, vous venez en tant que copain. Oui, en tant que copain, pour passer un bon moment, pour en même temps avoir l'œil... sur les voitures, les pilotes, les partenaires. Ah oui, vous aussi, observez tout. Il faut être un peu curieux. Mmh. Hein, je veux dire, donc, à partir de ça, je regarde les voitures, comment elles sont, par qui elles sont sponsorisées. J'essaye de retenir les gens qui sont dans la région. Parce que ça peut vous ça être peut, utile ouais, pour la suite. Pour la suite, exactement. Ouais. Que ce soit pour la moto, pour l'auto. Vous savez, quand quelqu'un aime les sports mécaniques, oui. on peut le convertir un petit peu à la moto parce que c'est un nouveau moyen aussi de communication, de rencontre, de faire plaisir à des oui, gens oui. dans un cadre de VIP, de choses comme ça. Alors, là, c'est quand même une manifestation importante pour Castillon-la-Bataille. Qui se déroule jusqu'à demain soir, m'a-t-il dit. Du reste, remise des prix vers 17h, si mes souvenirs sont bons, sur les allées à Castillon. Bon, quand c'est. Alors, on va dire la vérité, cette émission est enregistrée. Quand vous allez l'écouter, tout ça sera terminé. Mais, ceci n'empêche, vous êtes venus tous les deux, donc, saluez. Votre copain qui fait partie de l'Automobile Club du Sud-Ouest, Géry Gauguin. Oui, exactement. Si vous voulez, c'est des garçons qui prennent des responsabilités. Maintenant, c'est Géry. Avant Géry, c'était Gérard Bonnet. Avant Gérard Bonnet, c'était Alain Triot. C'est des gens qui prennent des responsabilités pour 2, 3, 4 ans. Et donc, ils gèrent le rallye de Castillon, celui du Médoc. Ils sont aussi, ils donnent un coup de main aux gens qui s'occupent du rallye de Saint-Émilion, puisque on a la chance d'avoir à Libourne un team, une écurie qui s'appelle Kendaten, qui organise le rallye de Saint-Émilion et qui, entre parenthèses, passe par la cave coopérative de Puisseguin-Saint-Émilion, puisque ah oui. c'est le parc fermé, c'est l'endroit de la remise des prix. Très grand et parking. Puis, voilà, et puis en même temps, c'est et un très gros bon, partenaire. Ben, c'est un gros partenaire oui, pour cette manifestation. Je me suis retrouvé bloqué sur les routes à cause du rallye. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Bon, oui, mais on vous a libéré. Oui, complètement. Non, mais c'est sympathique. Il n'y a pas de souci. Là, ici, m'a-t-il dit, bon, les gens ont été avertis, puisque il y a plusieurs épreuves, dont une qui est chronométrée. Et là, quand c'est chronométré, il y a la route est coupée. Oui. Oui, c'est la route est neutralisée. Voilà. Et quand c'est pas chronométré, la route est libre. Voilà, c'est un parcours de liaison. D'accord. Mais là, ils doivent respecter à la lettre. Là, ils respectent le code de la route. Voilà. Ce qui m'a frappé, du reste, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est que les voitures. Et du reste, avec notre ami Gérard, qui est à la vidéo, on s'est posé la question. Les voitures ne sont pas immatriculées et elles sont sur la route. Voilà, mais bon, disons, c'est un secteur qu'on est obligé de franchir avec la voiture de course. Mais comme vous l'avez dit, on respecte le code de la route. Il y a souvent un environnement et puis il peut y avoir aussi des pénalités. Parce que le garçon qui va dépasser... Le temps qui est donné et puis la réglementation... routière, bon, il aura des pénalités, donc ce n'est pas son intérêt. Il peut être contrôlé sur la route Il peut y avoir des gendarmes sur la route. D'accord, vous le savez à l'avance ou pas? Non, alors là, si vous voulez, je ne suis pas dans le coup, puisque je ne suis pas dans l'organisateur. Oui, non, moi, non, je non, suis oui. juste espion, oui. c'est tout. Bon, enfin, voilà, donc, belle manifestation à Castillon, où vous aurez des images du départ. Heureusement, du reste, aujourd'hui, ça s'est fort bien passé puisque nous avons le soleil ce samedi.
Hier, c'était moins bien. Il y avait un peu d'humidité. Bon, alors dites donc, vous connaissez maintenant les studios de Montcarré. On va vous voir régulièrement pour annoncer vos manifestations, en parler. Bien sûr, on peut revenir à Montcarré, puisque bon, on a été bien accueillis. Oh, c'est très modeste. Très on n'a pas goûté les frites encore, hein, ni l'entrecôte, mais bon, on reviendra, oui. C'est possible. C'est possible, je m'avance un peu peut-être, mais bon, pourquoi pas. Bon, alors, on rappelle, puisqu'on va, clôturer cette émission, et je vous remercie mille fois d'être venu jusqu'à nous, jusqu'au micro de CLC Média. Prochaine activité, là, la plus proche. La plus proche, alors, je dirais qu'à Bordeaux, les 16 et 17 mars prochains, il y a un salon de la moto. Et où, que moto. Que moto. Parce que le salon auto-moto que vous aviez créé quand même, oui. C'est fini, il n'existe plus. Fini, oui, c'est fini parce que la loi Evin est passée par là. Donc ce qui nous a supprimé tous nos supports de partenaires qui pouvaient être les cigarettiers, les bois d'alcool, le vin, etc. On a perdu 40 à 50% de nos budgets, donc on n'a pas pu continuer. On a continué un petit peu sur l'élan, mais aujourd'hui c'est impossible de louer le parc exposition dans de bonnes conditions pour faire un salon de la voiture de course et de la moto de course digne de ce nom. D'accord. Yvonne s'y était tenté un petit peu, mais ça n'a pas été bien loin. Non, puis parce que c'était petit comme. Voilà, le problème après, c'est de la connaissance, c'est la passion, c'est l'entre-gens qu'on a avec ces gens. Oui. Parce que c'est plus facile, entre passionnés, d'expliquer à Jacques Lafitte ou Jean-Pierre Beltoise à l'époque, puisque bon, ça a été. Nous avions reçu à CLC, mais à Saint-Émilion, je lui ai fait faire le tour de la région en avion. Ah d'accord, ok. Et Jean-Pierre, en même temps, était un super collectionneur de vins de Bordeaux, un petit connaisseur. Il représentait la marque Peugeot à l'époque, oui. Et je veux dire qu'il y avait des intérêts, même dans un château à Saint-Émilion. Ah, ça je savais. Mais déjà, bon, on a affaire à une des légendes. Je veux dire, bon, si avec Patrick, on est là aujourd'hui, et puis peut-être vous aussi... je veux dire, moi, le sport automobile, donc, il m'est arrivé par l'Aéroïde Gordini, Jean-Pierre Beltoise, Matra. Voilà, c'est nos débuts. Et la course de côte. Alors, la course de côte, aujourd'hui, elle est moins présente qu'avant. Ben, on en avait une ici, mais elle a disparu. Voilà, et donc, c'est ce qui nous a donné la passion de ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous vous déplacez dans la France sur différentes manifestations. Moi je me déplace sur tout ce qui est salon, Grand Prix de France moto qui a lieu au mois de mai prochain sur le circuit du Mans. Je vais à Nogaro, à Pau régulièrement, à Albi, à Dijon, je vais dans plein d'endroits pour justement avoir du relationnel, échanger des cartes de visite, être convaincant pour trouver des partenaires, être convaincant pour... Est-ce que c'est pas trop compliqué ou même un peu embêtant à force, quoi ? Rencontrer tout le temps des gens, tout le temps, en pensant que, bon, ils peuvent être utiles pour la suite. Oui, voilà, bon, je vais pas vous faire le bilan de mes cartes de visite, mais bon, je pense que je fais partie du livre des records en termes de cartes de visite, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et quand on fait ça depuis bientôt 50 ans, il y a des mecs qui sont plus de la revue aujourd'hui, ils sont partis dans d'autres endroits, malheureusement. Mais oui, c'est vrai. Je suppose qu'à certains endroits, vous êtes obligé de serrer les mains tous les 5 mètres. Oh, serrer les mains tous les 5 mètres, non. Non, mais c'est une image, pas loin. Voilà, on fait du relationnel, on salue les gens, on a un entretien, on échange. C'est ça la valeur des choses dans notre métier. Et vous, Patrick Latouche Moi, je suis de temps en temps avec Philippe sur des salons, parce que j'aime bien aussi, c'est un petit peu mon ancien business, le commerce. Et moi aussi, j'aime bien serrer des louches de temps en temps et recevoir des cartes de visite. Moi, j'en distribue pas parce que j'ai pas cette opportunité.
mais recevoir des cartes de visite et puis m'occuper de, avec Philippe de certains... Tous les deux, vous êtes des passionnés de contact humain. Je pense. Oui, parce que oui, si on n'est pas passionné de ça, ce n'est pas la peine. Il faut, faut faire autre chose, quoi. Ouais. Bon. Et vous verrez, bon, on en reparlera. Oui. On a un projet. Ah. Bon, pour le moment, il n'est pas assez ficelé. Amenez les courroies qu'on attache à la chaise et qu'on le fasse parler. Quelque chose pour le mois d'avril. Ah, mais alors, mettez-nous sur la voie. Écoutez, allez, un tout petit peu. Ça sera un événement de deux roues. Ah. Mais du deux roues jusqu'au vélo. D'accord. À Bordeaux ? Voilà. À Bordeaux, ça sera de la mobilité. Disons. Est-ce que moi, avec mon vélo électrique, je pourrais y aller ? Ah, exactement. Ah, vélo électrique, sans problème. Mais on peut faire du musculaire aussi. Oui, non, mais là, ça me dépasse. Cette nuit, il a une sacrée provocation. Hein. En plus, en fin d'émission. Bon, alors, donc, au mois d'avril, vélo, moto ? Vélo, moto, mobilette. Mobilette ? Ah, oui, mobilette. C'est la grande mode. Ah, rappelez-vous. Je m'en rappelle. Mobilette des années 70, même avant, 60. 80, Peugeot, ouais. Peugeot. Voilà, Peugeot. Caddie. Moi, j'ai eu. Aussi, Caddie. J'ai eu. Ouais, alors, je ne me rappelle plus si on disait là, une Caddie ou un Caddie. Bon, j'avais cette mobilette pour aller à l'école d'horlogerie à Aisines, de La Bastide à Aisines. Je traversais tout Bordeaux. Jamais d'accident. Hein. Jamais. D'accord. Il y a le Solex aussi. Eh oui. Je veux dire, il y a plein de choses à. Mais à Castillon-la-Bataille, il y avait une sacrée course de vélo Solex qui a duré pendant des années. Ici, c'était les 24 heures de Solex à Castillon-la-Bataille. J'ai connu, j'ai couvert même. Ça existait encore dans les années 80. Moi, je me rappelle des 24 heures de Solex de Blanquefort. De Blanquefort. Oui. Voilà. Oui. Oui. Je suis jamais allé. À Hexagon, on a fait. Avec notre ami Armand Munoz, Marcos Brissa, Gérard Richoux qui gérait la course. Approchez-vous un tout petit peu du micro. Voilà. Qui gérait la course et où on avait fait une place d'honneur. D'accord. Mais c'est un peu comme l'autocross de l'époque. Des sacrés moments quand même. Hein. Enfin, moi, je me souviens de ces 24 heures de Solex à Castillon. C'était l'événement. Il y avait des Solex, c'était des bombes, ni plus ni moins. Ce qui revient un petit peu, il ne m'en avait pas du tout parlé, mais bon, ce sont les courses de caisse à savon. Oh là ! Ouais. Non, mais on est loin. Oui, oui. On vient. Ça revient quand même. C'est vrai. Et moi, j'aurais toute ma vie souhaité organiser une course de caisse à savon. Bon, alors là, je ne me positionne pas pour en être l'organisateur, mais il en existe, puisqu'à un moment donné, il y en avait à ce nom. Mais ici, dans la région, je crois bien qu'elles sont une vingtaine. Ah d'accord. Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui, j'ai reçu à la radio, qui s'occupe un peu de ça. Et moi, j'ai été assez stupéfait quand il m'a dit, mais il y a au moins, dans la grande région, hein, une bonne vingtaine de courses de caisse à savon. Oui, mais si vous regardez l'équipe 21, de temps en temps, le soir, à 21h, il y a une retransmission de courses de caisse à savon. Ça m'est arrivé. Avec beaucoup d'originalité, la compétition, du rire. Du rire, bien sûr. Je veux dire, quelque chose, un événement convivial. Et alors, ça ne vous tenterait pas, non ? Non, là, aujourd'hui, non. Mais si c'est ici, il y a un moteur derrière. Dans non, le... mais bon, je peux me faire entraîner aussi. Hein. Ah, voilà. D'accord. Je peux me faire entraîner. Ah, ça tombe pas dans l'oreille des sourds, on ne sait jamais. Voilà. Parce qu'ici, on a des beaux circuits. Hein. D'accord. Bon, merci à tous les deux d'être venus jusqu'ici, jusqu'au studio de Montcarré. Votre émission, notre émission, va être diffusée mardi soir à 18h, mais... Vous pourrez à nouveau l'écouter vendredi à 14h. Et également, il me semble que c'est 14h, c'est pas 15h. Et également, dimanche en 8 à 18h. Voilà. Et puis, vous serez sur YouTube maintenant pour une certaine éternité hein, sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle, si vous avez envie d'y aller, CLC Web Radio. Tout simplement, abonnez-vous, c'est encore plus simple. Comme ça, quand il y a une vidéo qui est installée, toutes les semaines il y en a, vous êtes avertis. Merci de votre accueil. Merci. Merci, à très bientôt. Merci Philippe Sestari et Patrick Latouche. Et merci à
Gérard pour sa caméra vidéo magique. CLC Média, c'est la radio des copains. Alors, comme nous parlons d'automobile ce soir, nous allons poursuivre avec... Nous étions présents vendredi, samedi, pas dimanche, sur le rallye automobile qui se déroulait à Castillon-la-Bataille. Ce rallye qui est le rallye Bordeaux-Aquitaine classique, qui était organisé en collaboration avec l'Automobile Club du Sud-Ouest, du reste. Et l'organisateur est... Géry Gauguin, que nous avons rencontré. Alors, vous allez voir un petit peu l'ambiance, c'est un peu bruyant. Hein. Il y avait quand même, ben vous allez l'entendre, 145 engagés dans cette manifestation. L'arrivée, c'était samedi soir, mais avec notre ami Gérard Pommier, nous sommes allés dès vendredi et samedi filmer ce qui se passait sur le terrain, c'est-à-dire à Castillon. La bataille. Vous allez voir quelques plans d'ensemble et puis l'interview surtout de Géry Gauguin. Voilà, je vous ai tout dit. On terminera 58 minutes sur ce reportage. Et puis maintenant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors là, attention, soyez au rendez-vous. Émission extrêmement importante. 58 minutes. Exceptionnel, c'est entre 18 et 19. Je recevrai Florence Poumared, qui est la responsable du Rockin 24. Et il va y avoir en exclusivité des annonces sur CLC Média, puisque nous sommes la radio officielle du Rockin 24. Mardi prochain, n'oubliez pas, nous serons le 5 mars entre 18 et 19 avec Florence Poumared. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci à nos amis habituels Jean-Yves Bernard et Gérard Pommier. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de CLC. Et voilà, le reportage suit dans les secondes qui suivent. Gauguin, bonjour, merci de nous accorder quelques secondes, voire quelques minutes. Alors, ça va être sûrement quelques secondes, merci à vous de venir. Non, non, mais alors c'est le départ, c'est le jour J avec un beau soleil. Oui, on a de la chance, on remercie le ciel. Alors, rallye Bordeaux, Aquitaine classique. Voilà, avec 4 plateaux donc. 145 engagés. Alors, 145 inscrits, 120 au départ. 120 au départ. Voilà. Ils ont 240 km à faire. Voilà, en tout, dont 130 chronométrés. Ici, dans la région. Dans la région, dans le sud Castillon. Alors, je suppose que là où c'est chronométré, les routes sont barrées. Les routes sont barrées, oui, on a prévenu les riverains la semaine dernière et on a les arrêtés municipaux depuis 3 mois. D'accord. La municipalité ici n'a pas fait trop bien son travail, mais c'est pas grave. Si, si, non, très bien, très bien. Non, je vous assure qu'ils ont bien fait leur travail, c'est que... Je vais vous dire une chose, j'ai reçu un appel d'un habitant qui n'était pas content parce que soi-disant qu'il n'était pas au courant. C'est le d'accord. seul que j'ai reçu personnellement. Bon, d'accord. Alors, donc c'est par rapport à l'an dernier, une progression au niveau des engagés. Non, c'est stabilisé, comme il y a 2 ans, oui. Alors, on vient des 4 coins de la France pour participer à ce rallye. On vient même du 4 coins de l'Europe. Ah oui, c'est-à-dire ? On a des Écossais, des Belges. Voilà, donc on a du monde partout. Bien. Oui, oui. Bon. Alors, quel type de voiture participe à la manifestation ? Alors, il y a 4 plateaux. Il y a un plateau régularité voiture ancienne, un plateau régularité voiture moderne, un plateau vitesse voiture moderne et un plateau vitesse voiture ancienne. Là, ça démarre aujourd'hui. Mais ça a démarré hier, puisqu'il y a eu les contrôles techniques. Oui.
Ça se termine quand? Ça se termine demain soir à partir de 17-18h s'il n'y a pas de retard. Et la remise des prix va se faire à quel endroit? Ici même, à l'arrivée, directement. Directement, demain, dimanche. 17h, remise des prix. S'il n'y a pas de retard. Donc, il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde, comme d'habitude, oui. Voilà, je ne vais pas vous embêter davantage. C'est super, merci d'être venu. Merci d'avoir accordé quelques secondes. Et bravo bravo à tous les bénévoles. Ah oui, et à toute la municipalité. 241 bénévoles. 241 bénévoles, énorme. Merci mille fois. Merci à vous. Je sais que votre temps est hyper précieux. Exactement, je vous laisse. À plus tard. Merci, au revoir.